Pescatore, pescatore, addio l'amore, addio Maria, addio Maria, addio Francesca. Andiamo alla pesca, pescatore. Tu as 18 ans. Pour la première fois, tu poses devant l'objectif. Au dos de cette photographie, tu écris. Janvier 1933, Bourg-en-Bresse, 3e régiment de tirailleurs marocains. Je pose. Parti le 12 janvier de Tchervionne et par Bastia. Engagé volontaire pour 5 ans. Arrivé le 15 janvier à 22h à Bourg, où commença le désenchantement. Les ans ont à peine entamé mon visage. Ton visage, celui d'un jeune homme, presque d'un enfant, dont tu ne m'as jamais parlé. Tu avais perdu la mémoire. Du langage, ne te restait que le chant. Et tu chantais toujours « Pescadore, addio l'amore ». Je crois l'entendre encore, ta voix tendre et sonore. Aujourd'hui, je cherche ton visage. Dans les cohortes de prisonniers, dans la foule des soldats. Je te cherche dans les images. Je les regarde et je me demande ce que tu as vu. Am Tage der Einnahme von Paris meldete der deutsche Wehrmacht Bericht den Beginn des Frontalangriffes auf die Maginot-Linie am linken Flügel der deutschen Front. Im Morgengrauen dieses Tages wurde Frankreichs mächtigstes Verteidigungswerk. En mai 1940, ton Regiment défend la ligne Maginot. Dass für alle Zeiten ein unüberwindlicher Schutzwall gegen Deutschland sein sollte, mit einem gewaltigen Granathagel überschüttet. Luftgeschwader aller Art greifen in den Kampf ein. Le 14 juin, l'état-major donne l'ordre de repli face à l'avancée des troupes allemandes. Das waren die Bunker der Maginot-Linie hart am Rhein. Dans la confusion, ton régiment se disperse. À Saint-Dié, tu arrives épuisé après 6 jours de marche. Ton bataillon trouve refuge dans une ferme isolée. À Saint-Dié, le 21 juin 1940, tu es fait prisonnier. La veille, à Dontaille, 32 de tes camarades du 21e bataillon ont été exécutés au moment de leur reddition. Ils avaient résisté. Drei Armeeführer und 500.000 Soldaten gerieten in deutsche Gefangenschaft. Plus d'1 600 000 prisonniers. Parmi eux, je t'ai cherché. Dans les camps improvisés. Est-ce que c'est toi? Ça pourrait être toi. Je t'ai cherché le long des routes.
dans les colonnes de prisonniers. Son visage pourrait être le tien. Anglais, français, belge, ils te ressemblent tous. Au crayon à papier, tu as tracé la ligne ténue, abstraite, de ce long voyage. De Saint-Dié, le 21 juin, tu pars vers le nord à 8h du matin. 5 heures de marche jusqu'à Baccara, puis 15 heures jusqu'au camp de Reading, en Lorraine. Le 22 juin, l'armistice est signé. La rumeur vous fait croire que vous allez rentrer. Les semaines passent, tu perds notion du temps. Es-tu des premiers convois qui partent le 31 juillet pour l'Oflag 6A de Zeust? Entassés dans des wagons de marchandises, des wagons à bestiaux. À Zeust, tu passeras 4 ans en captivité, sous le matricule 261. 2000 officiers français sont détenus dans cette caserne de la Wehrmacht, enfermés, coupés du monde, forcés à l'immobilité. As-tu vu, depuis le camp, les nouvelles recrues de l'armée allemande se préparer au combat? Tu dis n'avoir jamais été aussi libre qu'en captivité. C'est là, dans cette université derrière les barbelés, que tu étudies les langues, l'histoire de l'art, l'astronomie, la théologie. Dans la chapelle décorée de fresques par les prisonniers, tu éprouves l'émerveillement qui jamais plus ne te quittera. Dans la prison, la connaissance, la création, la découverte de l'univers, la résistance. Tu écris « Non temia la sorte scura », je ne craignais pas le sort obscur. En novembre 1944, tu es transféré vers l'Est à l'Oflag 4D d'Hoyerswerda, près de la frontière polonaise. Au printemps 1945, la Wehrmacht se replie face à l'avancée de l'armée rouge. Après une marche forcée de 180 km, tu arrives au Stalag 4E d'Altenburg. Tu écris « Vers la mi-avril, la rumeur nous apportait la nouvelle de l'avance à l'ouest des blindés américains. Frémissement de liberté dans le camp. Les plus jeunes officiers sont désignés pour le camp de Zeitheim, situé plus à l'est. C'est là que tu es libéré par les Russes, le 23 avril 1945. L'Allemagne entière est ouverte. Libre avec les Russes, tu quittes la colonne de prisonniers libérés qu'on emmène à l'est, où les combats font rage. Tu te diriges seul vers Torgau et l'armée du général Patton. Le 20 mai, après 2 semaines de marche, tu arrives enfin. On te fait passer une visite médicale. Tu pèses 42 kilos. La malle que tu as confiée à la Croix-Rouge pour qu'on la renvoie chez toi n'arrivera jamais. Avec elle, c'est ta mémoire qui s'éteint. Tu ne reverras plus aucune des lettres, aucune des photos, aucun des livres, aucun des cahiers qui témoignent de ces 5 années.
Dans le train du retour, tu ouvres un journal et tu ne sais plus lire l'allemand. Tu commences à oublier. Au dos de cette photographie, tu écris « La liberté de la plage de l'enfance, après les camps allemands ». C'est fini, les bruminades de la canson, les stades de jardin, l'invernois de Vougon. Dis-moi, pourquoi notre amour, comme quanto si ne vanno. Dimmi perché con gli ori l'aiù tenuti poco mano. Dimmi perché,